Allez là, bonjour, bienvenue. Je vous le dis tout de suite, ce micro ne sert à rien. On est ici à Neuilly-sur-Seine et pourquoi on fait cette vidéo? On va vous présenter les coulisses, les bureaux, les studios de Fun Radio. Important à mettre le masque. Ah mais regardez qui je croise, Justine du studio Fun Radio. Bonjour Justine. Salut. Alors le micro marche pas donc parle très fort, c'est juste pour faire la vanne. Justine, de quelle émission tu es? Dans le studio Fun Radio, meilleure émission, 16h-19h. D'accord, et qu'est-ce que tu vas faire là? Du club. Je vais aller, petite club. Et je vais aller manger avec des potes, parce que j'ai une vie en dehors des autres. Ah d'accord, donc tu m'as pas invité. Non. Très bien. Non, et ben, donc je recherche une animatrice, envoyez-moi vos emails, jv@radio.fr. Beaucoup de courage. Ça s'est bien passé l'enregistrement ce matin avec Bruno Guillon? Très bien, c'était trop bien. Super. Mieux qu'avec toi. À tout à l'heure. Ça vous l'avez capturé, c'est 10 fois par jour. Bref, donc ici c'est les étages. Alors ce qui est bien, c'est que vous allez remarquer un truc, je ne sais pas pourquoi je parle dans ce micro, ça ne sert à rien. C'est que vous allez voir tous les animateurs de nos trois radios, RTL, RTL2 et Fun Radio. Il est beau hein. Bruno Guillon. Voilà. Ici donc nous sommes chez Fun. Il y a un premier studio là-bas, on va aller le voir. Et un deuxième ici. C'est le plus beau studio. Okay. Karel, midi 16h, tous les jours, on Fun Radio. Bon, présente-moi un petit peu comment ça se passe. Alors, dans ce studio, il y a à peu près toutes les émissions de Fun. Hein. Il y a. Toi, tu changes un petit peu entre les deux studios. C'est ça. Bruno est ici, Vaché est ici, ouais. Anso est ici. Ouais. Nous, le studio Fun Radio, on se met à côté. On ira voir tout à l'heure. Le Before se met ici, on va aller voir après tout à l'heure les platines. Cartman c'est ici. Ouais, en fait il y a 90% des émissions Fun qui sont ici. En même temps c'est le studio de la radio. En même temps c'est le studio de la radio. Mais bon on en a deux. On en a deux. Bon vas-y, qu'est-ce que tu nous présentes un petit peu tous ces boutons? Bah en fait maintenant quand on est animateur on a juste à parler parce que tout est automatisé en fait. C'est-à-dire que faut pas imaginer des disques ou quoi que ce soit, faut juste imaginer une machine avec à l'intérieur un disque dur et tous les sons qui sont mis dedans. Et ça s'enchaîne. Nous, en fait, quand on est animateur, on a juste un petit travail d'enchaînement à faire juste avant la diffusion, où on fait tous les petits enchaînements entre les jingles, les voix antennes, etc. que vous entendez, et puis la musique de Fun Radio. Et ensuite, on a juste à prendre le micro et à parler. Et à dire des conneries. Et donner envie aux auditeurs de rester avec nous encore plus longtemps. Alors là, vous allez voir un enchaînement dans 45 secondes. Donc là, en ce moment, il y a le Riyab Jonathan Blue Avamax. Et vous allez voir, dans 40 secondes, il y a un enchaînement que Karel à créer avec un jingle. Absolument, absolument. Et alors là, il y a en plus, derrière, il y a ce qu'on appelle un classique. Vraiment un titre à l'ancienne. Bah, c'est Bellini. C'est Bellini, Samba de Janeiro. Voilà, et on va mettre le son à fond. Bah, bien sûr. Et après, Karel, en plus, on pourra assister à ton speak en live. Bien sûr. Donc après, sûr. Et après le morceau, Karel va parler. Vous allez voir, le son va s'éteindre et Karel sera en direct. Et après, il va balancer la pub. Ici, j'en profite juste pour vous montrer, il y a le standard. Pour pouvoir gérer quand vous nous appelez, quand on reçoit des SMS, tout est ici pour gérer aussi les cadeaux. Et regardez l'enchaînement. Fun Radio. Voilà. Hey, c'est la fête. Il y a des invités, il y a toute l'équipe de Bruno, Cartman qui se met ici. Chacun donc a amené, il y a des. Pour le Covid, on a installé des. Des ici, c'est la place du grand maître, de Bruno, de Cartman. Donc ici, Bruno et Cartman, ils peuvent récupérer les auditeurs en direct pour pouvoir les avoir par téléphone. Ils ont ce qu'on appelle un sampler. Qui leur permet de diffuser des petits extraits sonores. Je sais pas s'ils parlent par exemple de l'Espagne, ils vont balancer l'hymne espagnol ou un truc de paella, bam, ils vont chercher des sons. Et ici c'est quand on reçoit des DJ. Alors attendez, on va voir s'il est très bon. Karel, on va te donner quand même un défi. Il va falloir que tu places le mot. Qu'est-ce que je pourrais te placer comme mot de merde là? Chaussettes. Chaussettes, il va falloir qu'ils disent chaussettes en direct sur Fun. Normalement, c'est facile pour lui. Hein.
on écoute ce son, on a juste envie d'être pieds nus, sans chaussettes. C'était Bellini, Samba de Janeiro sur Fun Radio. Samba. Et on va revenir là très vite sur Fun Radio avec The Weeknd. Ça arrive dans le prochain quart d'heure, Take My Breath. Vous l'avez découvert sur Fun Radio, le nouveau Funback, Hurricane. Bon app tout le monde, à tout de suite sur Fun Radio. Voilà, vous avez remarqué, d'une facilité, pas mal, hein, d'une facilité déconcertante. Bon ben bravo Karel, merci beaucoup. Bonne fin d'émission, ah, oui, tu vas démarrer. Ouais, il y a encore un petit. Là, il n'y a même pas encore la phase de décollage. Et ben bonne émission. Exactement le même studio que petit. Donc nous on se met là, par exemple, dans le studio Fun Radio, la prime de 16 à 19. Vous avez la même console, les mêmes choses. Ici c'est le bureau d'une super émission, alors du coup bah, ici là ça va changer parce que c'est le bureau de Justine en fait, du studio Fun Radio. Mais bon, elle va partir par rapport à ce que vous avez vu en début de vidéo. Ça c'est ma place. Et alors on va essayer de voir si il y a quelqu'un en production. Ouais. Je vais vous montrer. Bonjour Julien, est-ce que je peux te prendre 5 secondes de ton temps? Allez, vas-y. On fait une visite de Fun Radio. Et donc en fait ici en fait on a plusieurs cabines de ce qu'on appelle des cabines de production et c'est ici notamment grâce à Julien et à d'autres Julien qui font la même chose pour créer tout ce qui est jingle et habillage de Fun Radio, c'est ça? C'est ça. Tu peux nous montrer, t'as un jingle qui est prêt. 16h-19h JB, Justine et Julien Tenouk avec du bon son, des infos avant tout le monde. C'est le studio Fun Radio. Ah oui, ça c'est notre nouveau générique. Mmh. Ah ben je l'avais même pas entendu encore. Donc c'est la cabine de production donc des voix. Donc la voix de Fun Radio, hop, ils ont un micro, ils enregistrent Fun Radio, le son électro, le son latino. Voilà, ils enregistrent des choses comme ça. Et j'enregistre aussi tout ce qui est promotion pour l'émission. Demain chez Bruno, vous allez pouvoir retrouver au Funback. Voilà, c'est ici. Les invités viennent dédicacer la porte. Je vous cache pas que là il y a des trucs. Alors là il y a Kungs, Nils von Zandt, Jax Jones, Klingand, Moziman, Love, Bob Sinclair, décembre 2020. Oh. Je vous présente Luna, qui est salut. Justement une des voix antennes. On fait une visite des locaux de Fun. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un Fun Radio? Ah. Ah là là, j'étais dans. Ah, j'écoutais la radio. On a nous aussi une petite déco avec plein de photos de qu'on a faites notamment à Tomorrowland. Alors là, par exemple, vous avez Steve Aoki, Pete Gand, Timmy Trumpet, Sonny James et Ran Marciano. Vous avez Kungs, vous avez les Offenbach, vous avez Ugel. Vous avez plein de DJ et ma photo préférée. Alors, vous avez David Guetta et ma photo préférée. C'est celle-ci avec DJ Snake. Ah ben, bonjour, ben, on a l'autre voix de Fun Radio. On a fait Luna. C'est vrai? C'était il y a tout à l'heure. Et là, j'ai. Ah ben, quelle chance. Est-ce que tu peux nous faire un Fun Radio comme si on était dans un jingle? Bien sûr, Fun Radio. Quel talent! Après, on rajoute des trucs. Hein. Ah ouais, c'est... Tout est mixé, hein, sinon c'est Fun Radio. Là, c'est un. Ah ouais! Non, voilà, ici c'est le Big Boss, ça fait plaisir d'être à sa place. Peut-être un jour, hein, on ne sait jamais, hein. Ce sera ma place. Non, voilà. Ainsi s'achève la tournée de chez Fun Radio. C'était cool. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à partager. Et on vous entend là, les mecs. Et écoutez Fun Radio non-stop, j'espère que ça vous aura permis de nous rapprocher tous ensemble. Salut à vous!